On se retrouve aujourd'hui sur Arma 3 pour une mission préparée par Eralorn sur la carte Roche. Nous sommes en février 1985, en pleine période de guerre froide. Pour faire simple, nous faisons partie d'un groupe de combat de la classe ouvrière de la République démocratique allemande et nous avons été envoyés participer à des manœuvres militaires à la frontière entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Bon voilà, rien à signaler. Si, on a consommé deux bûches. Ah. Ça ira, on a encore des arbres ici. Ouais. Là, pour l'instant, tout est calme. C'est quoi cette affaire de tir là? Bon, on sait pas trop. Hein. Non, c'est pas à nous de nous en occuper, hein. Il y aura sûrement une enquête. Après, il est signalé que l'équipe bleue a eu un petit incident de tir juste avant l'incident de tir du char. Alors, est-ce que la ah balle oui, qui est partie, c'est ça? Petit tir de réaction, quelqu'un qui était un peu trop nerveux derrière son canon. Il suffit d'un rien. Ouais, c'est ça, avec la pression que nous met l'Ouest aussi. Ils sont belliqueux, ça on le sait bien. Et ce déploiement de force devrait leur donner à réfléchir. Quand même un mauvais pressentiment pour cette nuit. Et 3h du matin, tu vas pas commencer à avoir des mauvais pressentiments quand même. Oui, ça doit être la fatigue. Bon bah j'ai un petit somme. Vous me réveillez ici à quelque chose? C'est quelque chose pour que tu te réveilleras tout seul avec le bruit des explosions. Pour au moins utiliser un sac de couchage ou une paillasse, ça peut être très confortable. Oui, mais ça me rappelle mes jeunesses. Au coin du feu. Au moins, nous on a un feu. Ah, qu'est-ce que j'aime la bite. Je crois que t'auras pas le temps de dormir. Je suis en train de prendre le commandement de mon unité à distance là. Tango. Pardon? T'entends? Non? Qu'est-ce qui se passe? Good. Regarde par là. Ah, effectivement. C'est très lointain. Mais c'est pas des exercices. Et là, ce que je vois, ça a pas l'air. Bon, ben nous revoilà. J'entends. Rien de particulier observé, hein. Ils ont entendu comme nous, mais rien de plus. Ils ont eu un doute sur une patrouille, mais à vue d'œil, c'était nos gars. Allez savoir ce qui se passe. De toute façon, je pense qu'en cas de guerre, tu seras prévenu par radio, hein. Je peux supposer. T'as des chances, hein. J'ai essayé d'appeler ou pas? Non. Ok. On a pas besoin de se faire remarquer, et s'ils veulent nous dire quelque chose, ils nous le diront. T'es bien sûr à 75, hein, c'est juste... Ah ouais. J'ai cru entendre des tirs. Je deviens nerveux. C'est comme une douce mélodie.
Attends, j'ai vraiment un doute. Tu permets? J'éteins un feu parce que j'ai trop de bruit. Il y a des tirs là. Bah, comme depuis. Comme depuis 5-10 minutes. T'es pas, j'ai l'impression que ce sont des tirs différents. Plus proches. La carte? Oui. Je vais t'envoyer sur l'équipe bleue pour l'instant. Et dès qu'il y a un truc de détecté, tu reviendras vers moi au pas de course, ok? Ok, bien reçu. Plein ouest, c'est ça? Quasiment, tu prends 290 environ. Ok. Kara, la même chose dessus. Ouais, équipe rouge auprès de StarTech. Bleu. Vous êtes là? Rapport s'il vous plaît, mon commandant. Eh bah, y a un véhicule qui a tombé à blinder, à un braquet qui est passé. Du coup, on n'a pas tiré parce qu'on pensait que c'était allié. Et puis finalement, il y a un T-72 qui est arrivé, qui l'a allumé. Et la patrouille qu'on pensait être allié a été engagé par le T-72 aussi. Et du coup, bah là. Ok, reçu. Vous me reverrez. Au revoir. Tango? Tango? Ok. Tango. Tango Kiwi. La carte. Oui. Ouais.
On a dû se croiser pendant que je déplaçais les rouges un petit peu plus au nord en direction de la menace qu'on a. Les bleus se sont fait engager, ils ont eu quelques blessés. Ouais. Et comme ils sont trois et que ça va être un petit peu trop long de les amener un par un ici, j'aimerais que tu les rejoignes. Donc retour sur la Ok. direction bleue, tu les soignes. Là quand je verrai quelque chose. C'était le temps que tu retrouves tout le matériel. Ouais, ça doit être ça. Bleu, hein? Tu vas où là? Et non, je me suis paumé vu qu'il faisait jour, j'étais pas droit dans le bon sens. Ma faute. D'accord. Cher ami? Oui. J'ai Ah oui, l'ordre de je comprends m'occuper en des fait, bobos. laisse-donc, tu les ai confondus tout à l'heure. Il y en a Oui, des mon bois. mitrailleur qui a pris quelques T'as dit quoi, égratignures. Ben? Hein. Je comprends que tu les Et ai une arme confondus tout aussi. à l'heure. Pourquoi? Bah en J'avais une fait, jambe ils qui ont était rouge. quasiment les mêmes casques que nous. Surtout que les Anglais, ils ont pas de M16, ils ont les... Ils ont les phales. Ont des phales, Mais donc... oui, mais les sacs, ils sont pareils que les nôtres aussi. Ah ouais, c'est ça, ils me ressemblent pas mal. On tue les Anglais, quoi. Salopard de roast Même là, beef. quand ils étaient couchés, je pense qu'ils avaient des armes. Ça tire toujours autant là-bas, en tout cas. Ah, les bruits de tir, je les entends pas par contre. Hello. Ça se trouve, ils se sont juste perdus, hein. C'est tout? Ouais. Un cushion, docteur. Cushion hermétique. Ok, bon, bah si Merci c'est tout beaucoup. alors. Regardez-moi cet endroit, j'ai foutu du sang partout, bordel. J'ai Là, fini, le chef. chef. Ok, bah de toute façon pour l'instant on va rester avec eux comme le commandant militaire là va bientôt se pointer ici, ils veulent pas qu'on traîne dans leurs pattes, faut qu'on soit en première ligne, quoi, en défense, ils veulent pas nous voir en train de flémarder dans le camp. Donc on va s'installer avec les bleus pour l'instant. Même si je vais laisser même si on fera des allers-retours avec rouge de temps en temps. Pour l'instant on rejoint les bleus au niveau du bosquet. Je choisis juste une position qui est quand même quelques dizaines de mètres en arrière, on sait jamais. Ouais, bien sûr. Parfait. Au niveau de C là, des casemates. Ça se passe mal, je me fais dégommer parce que 2 contre 1. Bon bah j'en Je fais, j'arrête reviens, pas avec vous. ils t'ont mené aller avec 2 B1 bis. Ha! Comment te dire? Ils ont donc chier pour m'avoir mis derrière. Ouais. Ouais, fais gaffe, c'est de deux phases. Black Art. Hein? L'arbre derrière toi. Oui? Ah et oui? C'est l'arbre à caca. C'est l'arbre à caca. Non, ça c'est l'arbre à caca. Ah! C'est pas grave, je vais me mettre dans le creux ici. Tu viens avec nous? Pour le moment, je reste là. Ça se passe comment de l'autre côté? Bah, apparemment ils ont pas eu de contact donc Ok. Et le commandant va bientôt arriver à l'avant-poste là. Donc Tango On ne tire pas dessus. et... Non mais c'est pas ça, c'est que Tango et tout, on a bougé, on va se répartir avec vous parce qu'ils veulent pas qu'on traîne dans leurs pattes quoi. D'accord. Papa. En tout cas moi je suis content d'avoir le médecin. Moi aussi. Moi aussi. Le médecin, il a pas de pistolet. Ah, t'es médecin ou t'es infirmier? Je suis médecin.
Ah, c'est bon, t'as fait des études alors. Ouais. Ah, il a des lunettes, il a forcément fait des études. Non, je savais pas, ça l'avait pas vu. Ah! Oh, Alice! Ha! C'est pas très sympa ce qu'il vient de faire. C'est moi, il vient de balancer pile-poil sur un. Il vient d'aider sur un blindé. Ouais, il prend feu là. Il a balancé pile-poil sur un blindé. Il revient sur nous! Couchez-vous! Non, non, c'est bon. Ah! Non, c'est bon, il se casse. Il tombe. C'est bon, c'est cassé. Et notre anti-array, ils font quoi? Ils se touchent. Il est sur nous, il est sur nous. Couchez-vous! Personne n'a été touché? Non. Il s'est pas passé loin là. Il a tiré sur les pattes, on est d'accord? Ouais, mais c'est passé juste à côté de ta tête, pas là. Oui. Ouais, ouais, j'ai vu. Ah, c'est relatif, mais c'est vrai que pour ce qui tire, on va dire que c'est pas passé loin. On va essayer bien la tête. Et nos anti-aériens, ils font quoi? Ils dorment? Qu'une idée. Allez, enculé. Je crois que le QG vient de morfler. Ah bah le QG vient de partir en morceaux et nos véhicules avec, Tango. Il a été nivelé. Et plus grand chose. Putain. Il y a des chars qui paniquent et qui essayent de viser l'avion avec son canon. Super son efficacité. Et alors c'est bien parce qu'il se met vraiment en plein milieu. Je vous rappelle que nos communications sont brouillées en ce moment à l'ouest et avec les infestations de cette nuit, on sait pas encore si c'est un. Le responsable du camp, si c'est un point de tension ou si c'est une véritable. Ouais. Allez la chasse! Allez les gars! Allez les gars! Allez, restez regardez au secteur, les gars! Pour l'instant. Regarde, il se fait prendre en chasse! Pas. Allez, regardez à l'horizon, les gars! Arrêtez de regarder. Il est cuit! Ah! L'autre il s'est fait avoir. Bon, lui, les carottes sont cuites! Non, il a sorti des culs! Ah, j'ai entendu de l'artillerie. On va perdre notre avion pas loin. On a perdu notre avion. Oh putain. Bah, rip. Le blindé juste derrière vient de péter. Ok. Par contre, ça veut dire qu'il y a des anti-aériens proches, okay. Proches de chez nous. Tu vas là-bas et tu vas voir si on est sur le banc. Ouais. Tu me fais rapidement le compte. Putain, mais il y a tous les véhicules autour de nous qui pètent. On a plus rien à défendre. Attends. T'as entendu un sifflement là non? Ouais, comme des fusils qui tombaient. Voilà. Peut-être parce que c'est de l'artillerie. Oh putain! Alors mettez pas les pieds là-bas. J'avais oublié mes bouchons d'oreilles. Mettez pas les pieds là-bas parce que c'est de la soumission ça. Ah. Comment ils tirent sur le QG, c'est qu'ils l'ont repéré. Bon. Oh, bah oui. Maintenant qu'ils l'ont bien débombardé, on devrait pas tarder à envoyer. J'espérais qu'ils balancent tout ça, pas parce qu'ils ont un doute sur un pain quoi. Je vais rejoindre Kara, on fait rapidement le point avec l'équipe rouge, mais si elle est en état de se déplacer, elle sera envoyée ici. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la musique. Musique. Oh c'était une musique, tout va bien. C'est une musique, moi aussi j'ai un peu paniqué sur le coup. D'un coup, il s'est couché au sol. J'ai cru que c'était une énorme bombe qui tombait. Là, je voyais déjà la bombe de 4 tonnes. Avec une vision V2. Je m'attendais à un grand flash blanc. Je t'en ai tout cas, moi. Aussi, oui. C'est très drôle. Ils sont pas les pires. Ah, ils ont l'air d'avoir beaucoup de blessés, Blackheart. Ouais. Tu oui, rejoins ouais. Rouge au plus vite et tu fais en sorte de les remettre sur pied pour qu'ils puissent nous rejoindre dès que possible.
ça, les gars. Merci. Bah, moi, j'ai plus rien. C'est Dieu, ça. Bonjour. Bonjour. Bah, c'est bon. À l'aide. Hein? C'est bon, c'est pas bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bah, c'est bon. Bon. Et ma jambe rouge, là, sur ta gauche, s'il te plaît. J'ai un garrot de Mitsu. Je crois qu'on devrait peut-être se remettre en position. Ouais, ouais, ouais. On va vous remettre sur pied et. Bon, bah, peut-être que les armes vont changer pour le coup. Je fais ce que j'ai pu, mais j'ai plus du tout de matos. J'arrête la carte pour un plan, je me déplace sur le QG pour essayer quelque chose à sauver. Mais dès que vous êtes en état, vous décrochez sur la position bleue au nord d'ici. Ok, bah... T'es compris pour tout le monde, ok? Ok. Ah putain, ça vient d'où ça? Oh voilà. Proche, 50 mètres. 1-0-0. Attention, et vous. Il y a rouge, il me reste. Non, oh, je suis il ok, mais je suis dans le mal. On a un mort là. Je sais pas qui c'est. Tirez plus derrière nous. Je crois qu'il y a Torgo qui a clean Freda, le truc. Freda, il est mort. Alors moi, j'aurai pas le soigner, ça ira plus vite. Moi, je veux que tu me soignes. Je vois plus très bien. Ouais, tu m'étonnes. C'est vers les copains qui. Attention rouge, hein. Il y avait des ennemis entre nous. Rouge, vous êtes là? Ouais. Ouais. Ok, je suis blessé, je boite. Je sais pas si j'ai la carte sous la main. Ah, ouais, je suis là. Ok, vous êtes en état là, vous? Ouais, bah on a deux pertes, mais on... Ah, bon, je saigne. La carte, il est en vie? Je suis là. T'as envie de faire quelque chose pour ma jambe? Je suis un peu occupé là, je fais ça dès que je peux. Ok, bon. Ceux qui sont perdus, tant pis, et vous rejoignez bleu là dès que possible. Ok, très bien. On a perdu près de Startek. T'es bien pris. Pour rapport, toi t'es blessé. Je vais en profiter pour choper une arme. Du coup. Ok, tu soignes ta jambe en priorité histoire qu'on puisse. J'ai plus de médicaments. Ceux qui sont en état, continuez de couvrir le périmètre s'il vous plaît. Couvre en attendant, je soigne la jambe. Je m'occupe des blessés au pays. Bah, c'est ma job, de toute façon. Du coup, Black Hawk. J'ai changé d'arme. Merci. Reboot est comme neuf. Encore un garrot. La carte. Oui, je m'occupe de toi. Je fous un garrot à ton bras gauche. J'ai encore une jambe qui est un peu. Un garrot à ta jambe droite. Regarde ça. Ah, j'ai pas pu atteindre le QG, je vais laisser tomber la tentative de traverser les 200 mètres de prairie pour y aller. Vu qu'ils ont ramassé, vu qu'il y avait des hostiles juste à côté, on oublie. Dès que tout le monde est opérationnel, on se met en route. C'est bon. Il en reste un à sauver ou... Ouais, je crois que tout le monde va bien. Ok, okay, bah dans ce cas, on bouge au nord. Black Hawk, c'est bon, Pocket, c'est bon. Pocket, je vais les retaper. Ok, Oribou.
C'est bon. Je vous ferai des, okay. un patch-up complet déplace. Quand on sera sur la position bleue, de toute façon. Des calmes, vous pouvez être parti. Des véhicules, hein. Ouais. Faut que des cairns, vous regardez derrière. Okay. Allez-y, traversez. On entend des bruits de véhicules, vous avez identifié ce que c'était ? Non, on s'y emploie. Ah, à gauche là. Ah, oui, qu'il y ait plus grand chose d'ici et qu'on n'est pas suffisamment armé pour ça, on va commencer à se déplacer. Hein. Essayer de se replier en direction de notre petit QG. Cardocre plutôt, hein. On laisse Ball pour l'instant un peu à l'avant. Bonne chance, Ball. Avant que ça arrive. Ouais, c'est dangereux. On reste pas derrière toi, Ball, on te laisse la place. Oh bah là, je vous campe quand même. Hein. Mais planque-toi, mais. On va rejoindre le petit village qui est au nord là. Et de là, on va continuer à remonter en direction de notre ville à nous. Ok. Ah, cachez-vous les gars, redescendez dans le fossé là, y'a un véhicule. Et Caradoc, il arrive droit sur nous. Pardon, Cara. Il arrive droit sur nous. Carabino, t'es ici ? J'ai pas réussi à. Attends, j'ai essayé d'identifier. Cachez-vous, allez. Ah, c'est un putain de char. Cache-toi, à balle. Attention, ah, pas de terre. Là, tu l'as de flanc. Ok, en ce moment on marche. On a plus de roquettes par contre, on peut se replier je pense. Oui, direction nord. Est-ce que l'ennemi était équipé d'armes là-bas? Bah, c'est en premier, on ferme la garde. Ouais, rouge devant. Allez, on y va. Ferme la marche là, je ferme avec toi. Vous avez pas vu Kara? Il est passé balle? Ah, je suis là, je suis là. Ok. Non, pas vu Kara. Attends, je crois que j'ai Carabino en visuel. Non, c'est pas Carabino ça. C'est pas Cara, c'est pas Cara, continuez. Ok. Continuez, allez. Ouais, d'accord. C'est un anglais. Les putains d'anglais. Les anglais. Non, c'est ouais. Les squads. Mettez-vous en position. Comme ça, on s'étale un peu sur la droite. Étalez-vous pour engager les mecs qui sont en plein sud là. On engage ? Si vous êtes bon pour tout le monde, feu. Des bombes bleues. Feu. Je vais tirer. Bonjour. Ça va. Bon, ils ont prendre à feu. C'est bon. On continue d'avancer. On va devoir se taper ce découvert jusqu'à la ville, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Rouge, vous passez devant, vous ouvrez la voie. Ouais. Bleu, pour l'instant, on est devant derrière. Oula, il le bras à terre. Pas de visuel sur le mec. T'arrives à le soigner ou pas? Lâche-moi! Je bloque à nos pieds. C'est normal. J'étouffe. On y va! Oh, on revient à la liste. Par contre, faut que les autres ils continuent à avancer. Allez, hein. On bouge, Qu'ils nous attendent. Hein. Salut! Bougez les rouges, hein, restez pas là. Continuez à avancer! Putain, ils restent en plein découvert. Super entraînement. La carte? Oui. J'ai pris une balle pleine tête, j'ai pas le temps de me soigner, donc si jamais je tombe. Ah, je te laisse là si tu tombes. On arrive à courir correctement. Ah c'est rien, c'est juste une balle dans la tête. Elle avait bien dit que c'était des nazis. Il y a un chat qui fait sa toilette. Sauf que c'est pas un chat. Dispersez-vous quand même au cas où on se fasse tirer. Hein.
Et c'est bien moins, au moins 15 mètres entre vous. On a plus du tout de roquettes, hein, plus de moyens anti-char là, ah c'est non, ça. On a plus d'équipement anti-char. Plus rien. Il faut vraiment qu'on refasse le plein. Au revoir QG. Ah, je me demande ce qu'attend notre armée pour leur mettre une pété là. De la pété. Le temps que je passe rapidement le point dans le village, okay. Vous restez à la lisière sud et vous protégez comme vous pouvez. On peut se mettre dans la maison là pour les deux fenêtres. Si vous voulez, mais vous restez du côté sud, vous surveillez le sud. Ça marche. Dans la route, dans la maison. Armée allemande. Rouge. Ouais, halt. Armée ouais, allemande, pire. Maison pire. Regardez un petit peu ce qu'il y a à l'ouest, ce qui arrive depuis l'ouest ou depuis le nord. Je fais un point rapidement. Pas donner un cross dans la vue, voilà. Et tu regardes s'il y a des choses qui arrivent à l'ouest. Non. On va bouger assez vite, hein, d'assurance, on vous rejoindra. Ok, des plateaux, vous restez sur votre côté de la route. Avec les autres, vous mettez avec moi. On commence en parallèle. T'as notre seul étage dans la maison d'à côté. Pour avoir un visuel okay. Sur le sud. Tu disais les snow ? Je disais notre si beau camp. Ouais, méfie-toi aussi de ta droite, hein, les snow, de vers oui. L'ouest, hein, parce que les anglais tout à l'heure nous avaient attaqué en venant de là. Bleu, y'a plus rien qui arrive depuis le sud ou depuis l'ouest ? Négatif ? Je suis en train de jeter un tour depuis le. Les snow ? Premier étage. Y'a plus aucun visuel. Bon. Tu vas dans la maison qui est derrière et tu montes à l'étage, tu pourras voir plus loin. Bon, ok, là, on va pas s'éterniser, on va bouger. Hein. On n'a pas de moyens anti-char, il faut avancer des chars en premier. Donc, bleu, bah, on se remet sur la route direction nord, on va rejoindre rouge, on va continuer d'avancer. Des chefs d'équipe, hein, si jamais il nous arrive quelque chose, l'idée c'est de rejoindre notre zone de bivouac à Ratzingen. Là, on est dans la ville de mer. Je te rappelle qu'on a évacué des civils et ils sont partis avec leur véhicule et qu'il y a eu l'œil policier qui était là au départ. Ok, bah. Évacuation. On va essayer de suivre le nord en essayant. Tu vois, là, t'as des petites lignes de bosquets un petit peu par là. Ouais. On va essayer de les suivre plus ou moins. Tiens, c'est pour avoir ton garrot, je t'ai structuré. Ouais, à l'est. Merci. Qui arrive, attends, c'est quoi? C'est des alliés ou pas ça? Ouais, c'est des alliés, on a des troupes alliées à l'est, deux mecs. Ok. Deux mecs. Puis pendant un moment, bon. Espoir. Bleu, vous vous mettez au croisement avec rouge, on commence à avancer. Et rouge, tout le monde est bon. Allez, bleu, on se met en position. Pour coller sur moi, s'il vous plaît. Vous êtes perdu ? Vous êtes perdu ? Avance sur Tango. On avait plus d'un. Formation a pris l'initiative de rejoindre le combat. Eh ben, on est actuellement attaqué par les fascistes. Salut, t'es une radio toi? Par les fascistes? Ouais, bah essaye de joindre le QG régional et dis-leur que le QG tankophone des rabats classeux s'est fait désinguer, bombarder. Il n'y a plus rien, plus de survivants, plus de DCA. Et on se replie sur notre zone de bivouac à Ratzingen pour faire le plein en termes de munitions. Le QG Kampfgruppen der Arbeitsklasse, l'endroit où on était là juste avant. Véhicule en approche sur la route. Quoi comme véhicule hein. Jeep. Tous en position. Ben, Land Rover. Tirez. Rouge. On voit ceux qui ont la ceinture. Ouais.
Tu les rejoins, ensuite on va essayer de prendre au nord. On va devoir traverser les champs, il y a des parties à découvert, mais on est obligé. Ok, on y va de suite. Non, arrête, arrête, arrête. Ok. Deuxième bah, il se replie. Tu t'arrêteras que lorsque tu seras bon débosqué là-bas. Okay, il bon, s'est replié, ouais. Colle sur moi tous. 1, 2, 3. On est repéré, Tango. On y va, on bouge. Si vous avez traité la menace immédiate, on bouge. Non, elle s'est enfuie. Ok. On se replie. Un Range Rover 12-7. On bouge les gars. Allez, repliez-vous au moins ici. De quelques dizaines de mètres au cas où ils s'amuseraient de faire des tirs de précision à coup de mortier dessus. Tirs de précision à coup de mortier. On dit quoi les deux zigotos? Ils étaient dans le village et puis voilà quoi. Ils se sont demandé ce qui se passait, ils ont voulu profiter de la fête. Du coup ils se mettent dans la poubelle. Carabino. QG de Arbeit 1. Oui, Nad. La communication. Tu vois où est rouge, tu, ah ouais. Tu les rejoins en direction les bosquets. Bon monsieur le troupe coureur que 4 oui. Chargeurs dont un engagé. Eh ben tu resserras au fur et à mesure de temps en temps toutes les ouais, non, mais de toute façon je pense qu'on est tous dans la même situation. On sait qu'il y a une ouverture en plein. On peut escalader. Contrôle J. Enfin pour moi. Y'a pas de porte, bah ouais vas-y on va escalader. Oh, c'est l'espace. Oui. Pas bête. Là je vais. Shift V. Tout le monde balance ses raccourcis. Suivez-moi les gars. Ah t'es sorti? Oui, sur ouais. La route. Allez, on va escalader. C'est bon, vous y arrivez? Ouais. Hi-ha. Tous ces week-ends au camp d'entraînement ont servi finalement. C'est ça. Oh, gros tas de terre. Tas de terre. Vraiment un gros tas de terre. C'est putain, tas de terre. Vraiment un gros tas. Est-ce que le tas de terre va m'aider? T'es vraiment un gros tas de terre. Vous pouvez repartir les gars. Oh, coup de feu. Oh, il peut pas passer loin pas. Celui-là. Visuel, ils sont au moins 3. Allez, je claquais près de ma tête. Vas-y, laisse-nous très plaît. Ton rôle. Les autres continuent à bouger. Il mec. Ah c'est Tango le mec tout à l'arrière. Allez couvre le chef. Roger. Essayez de rejoindre au moins un petit peu les bosquets parce que là il y en a qui sont beaucoup exposés. Dépasse-nous et on te suit, Tango. J'ai eu les trois normalement. Allez, on est reparti. C'est bon. Vas-y, passe devant, Tango. On va rejoindre l'avant. On suit avec okay. Un peu d'écart. Hein. Bon, là, on est obligé de faire ces quelques traversées. On est assez exposé, je sais, mais on va essayer de rejoindre un maximum de forestières jusqu'à ce qu'on se retourne le camp. Et on continue, les bleus. Putain de route. Plus que ça les Français qui arrivent après. Les snow. Alors pas de chance. T'attires plein ouest aussi. Aïe. Voilà ça fait plus proche. Cours Blackheart. C'est ce que je fais. Ma vie est plus importante que la vôtre. Il est beau le médecin quoi, la conscience professionnelle. Eh oui. Ouais, ça va être compliqué de les hit d'ici. Hein. Ça sert à rien de tirer pour l'instant. Ouf. Je vais bien voir le torse, comme on a le temps. Continuez de bien protéger les accès. Donc, ce qui va se passer là, c'est que je vais passer devant avec rouge. Pour leur ouvrir la voie. Bleu, vous suivez quelques centaines de mètres derrière. Vous couvrez nos arrières et puis on ouvre la voie. Donc là, actuellement, on est okay. Passé au nord de VRE. On est dans ce coin-là.
même pas repéré. Les mecs sont fermés derrière nous, les deux qui sont. Tiens pas les snipers. Bon. C'est qui celui qui est derrière nous là? Qui fonce sur nous là? Je continue de bouger rouge. Vous êtes prêts à partir? C'est un allié. Décrochez, vous collez sur moi. Continue, on va attendre l'allié qui est en train d'arriver. C'est qui lui? C'est la radio. Ah putain. Ok, rouge, on est bon. Ok, là-dessus. En avant. En avant, on va aller. Reculez si vous faites tirer dessus. Ma colonne de. Tu peux expliquer ou pas? Bah, ouais, vas-y, tu peux. Allez, stop. 400 mètres. Ok, ça marche. Il y a des véhicules au nord-ouest là. Ah oui. Allez, K. Ouais, j'étais coincé. Carabino. Non, 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 les gars. Carabino. Oui. Tu sais, c'est quoi pour changer de mode de tir sur le SKS? Sur le SKS? Bah, c'est en fait, c'est avec un. Les hostiles devant. Hostiles devant? Ouais. On se débat où? On va rester en bas. Sujet de Arbite 1 parler. On va se mettre engagé quand on engage ou bifurquer sur l'équipe, ok? Tu commences à t'engager au nord et ensuite tu retires sur eux. Où je vous recoller? Tango? On a des hommes qui sont juste devant près du camion. Vous mettez pas le camion, vous mettez en position pour aligner tous les mecs qui sont à côté. Ils sont. Vous avez entendu bleu? Pas tout, que la fin. Ouais, moi aussi que la fin. Des mecs qui sont juste devant à moitié en train. C'est ça. Le TP, tu vises le mec au RPG à côté du camion. Tous ceux qui sont très proches du camion, tu te les fais, ok? Et la MG, elle arrose ceux qui sont un peu moins. Y'a un mec juste à gauche du camion là. C'est quoi tous ces mecs qui rentrent? Je sais pas, ils sortent à la rampe. Eh bah ben, non, j'en rentre pas. Allez, faites fouille. Donc l'idée c'est d'être devant. Derrière, non? J'ai l'impression qu'on le talonne. Ah bon, j'ai toujours des mecs qui arrivent au camion. Non, on va avancer sur la gauche. Merci. Dernière, il y a quand même un camion allié qui est parti en mettant fumée, donc bon.
fouille pas les maisons hein, mais... On a bleu ici. Ouais, on est là. Ouais, donc le camion s'est taillé, tant pis. On a pas vu. Non, pas vu. On va continuer à bouger. Vous prenez votre souffle un instant, rouge, c'est bon pour vous. Ouais. On va prendre encore plein d'or, ensuite on devrait avoir pas mal de forêt pour nous couvrir jusqu'à notre QG, mais il faut encore qu'on fasse une traversée jusqu'à la ville suivante. Ok. 3, 4, donc on va grosso modo par là pour l'instant. Et ensuite on aura. Ouais, on aura de la forêt jusqu'au bout. 40 secondes derrière. Ok, vous. C'est quoi plein d'or, on suit la route. Ouais, pour l'instant on y va. Go. Ok, rouge. On perd pas de temps. Pour ma colonne. Parachutiste. Holy fucking shit. Ouais. C'est bien ce qui me semblait que c'était pas un avion allié. Non, c'est un motherfucking C-47. Bon, pour du tir au lapin là. Ouais, bah allez-y. Oui, c'est des champs. Ouais. Feu. On est des salauds. Ouais bah salut, nous avons raté. Ouais. Continuez d'avancer. Ouais, on continue à avancer. Arrêtez de tirer. C'est qu'on s'arrête maintenant alors qu'il touche le sol. Moi je respecte les gars. Mettez-vous un peu sur le bas côté pour être protégé, laissez la tête. Rangeons la lisière le plus vite possible, ensuite on vous furte la veste. Ah, ça vient de devant. Oui, c'est rouge, c'est ah oui, c'est rouge. Là. Il me reste avec moi. Ouais, la carte va t'occuper des blessés. J'ai besoin de ton TP de la MG.
Ouais. Venez juste ici pour TPMG. Il y a des petits. Enfin, il y a une bonne vue d'ici. Il y a des blessés chez les rouges. Encore un truc. Ah, ça avance. Aïe! Aide-moi! Ok, j'en vois plus. Je sors des jumelles, je vous dis si t'as pris dans la jambe bouger. Ouais. Regarde si tu bois tout quoi. Pour l'instant, ça bouge plus. Oui, oui je boite. Encore un. Pour le médecin. Très bien. Il est mort. Médic! Déjà occupé! T'attendras à ton tour! Que je vienne vers toi! C'est bon là? Faut plus rien. T'as encore des munitions là? Tout le monde est soigné suffisamment? Sûrement pas! Ouais. J'ai à peine de commencer! Okay. Bah ceux qui peuvent se bander, bandez-vous déjà, hein. Faites gagner du temps de la carte. C'est bon. Je vais t'aider. Merci de la carte. C'est des lames de combien? Carabino, c'est bon. Les rouges qui sont opérationnels, vous couvrez le nord, les bleus qui sont opérationnels, le sud-ouest. Hein. Cardoc, il te reste combien de chargeurs? Bon. C'est comment, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Combien de chargeurs il te reste? Il m'en reste 3, dont un engagé et entamé. Oh, t'as réussi à joindre le QG Y'a que moi qui ai tiré comme ok. Cardoc topé. Ok, merci. Tango. C'est bon, ouais. Je boite. Plus de blessé, bon. On peut y aller. Ok, bah pareil, on va repasser en avant rouge. Suite à ces événements, nous nous sommes retrouvés seuls et nous avons décidé de rejoindre notre quartier général. Nous avons dû progresser discrètement, en plein milieu des lignes ennemies, tout en éliminant des patrouilles quand l'occasion se présentait. Cependant, nous avons fini par être encerclés et nous nous sommes donc rendus. Cette partie était très immersive et stressante en tant que joueur, mais je pense pas que ce soit très intéressant en vidéo. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.